sur sa tête. Petit escargot. Hello, allô. Bonsoir, chers parents. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comment a été la journée? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Qu'est-ce que vous avez fait de d'agréable, les enfants? Je vous reçois ce soir, encore une fois, chez Maman Lee. Vous êtes chez Maman Lee, à l'émission L'heure du dodo. C'est un plaisir de t'accueillir ce soir. Et comme tous les mercredis, Maman Lee a une activité. Donc, je ne peux pas être là à 20h, à 8h pile, mais je suis là quand même à 8h30 le mercredi. J'avais bien noté. Donc, désolé pour les enfants qui attendaient, désolé pour ceux qui ont déjà dormi, qui sont déjà au lit, mais on va se rattraper, les enfants. Vous allez pouvoir écouter par la suite. Tu vas pouvoir réécouter l'émission. Un petit bonsoir à Rose Michel. Comment vas-tu, mon ami? Bonsoir à Rose Myriadite. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te recevoir à l'émission Maman Lee. Donc, les amis, on va, comme d'habitude, lire une histoire pour les enfants avant de dormir. J'espère que les enfants ont passé une très bonne journée. J'espère aussi que ils sont prêts à écouter l'histoire. Mais juste avant, j'aimerais te poser une question par rapport au livre qu'on va lire. Voici le livre. Est-ce que tu as une petite idée? De quoi penses-tu qu'on va parler? Je te laisse réfléchir 2 petites minutes. Dis-moi, est-ce que tu as une idée de ce que l'auteur va dire dans cette histoire? C'est quoi l'idée qu'il va développer? De quoi il va parler? Donc, c'est toutes les questions que je te pose. Je vais te faire écouter une petite chanson en attendant et puis on va bientôt commencer dans 2 minutes. Si tu écoutes là pour la toute première fois, tu es bien à l'émission Maman Lee 19. J'ai mis ce programme sur pied pour les enfants et aussi pour les parents qui ont la difficulté, soit avec le travail, quand ils rentrent le soir, ils n'ont pas vraiment le temps de faire de la lecture pour les enfants. Donc, je mets cette activité sur pied pour vous accompagner et aussi pour aider les enfants à développer leur capacité en lecture. Parce que c'est très important la lecture. La lecture va aider les enfants à comprendre les autres matières, surtout pour les enfants qui travaillent, qui étudient en français. Mais aussi, c'est quand même important la lecture, même si vous ne le faites pas en français, ça peut aussi être en anglais, en créole, dans n'importe quelle langue, mais la lecture, elle est très, très importante pour les enfants. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que Maman Lee met sur pied cette activité pour vous, donc pour la famille. Et la famille est très importante. Donc avant de commencer la lecture, j'avais pensé à quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose qui te porte, que tu portes dans ton cœur? Est-ce que tu chéris quelque chose, une activité, un projet? Donc si tu as à cœur ce projet, continue de travailler pour réaliser ce projet, même si tu vois pas encore ce projet de façon concrète, tu vois pas encore comment tu vas réaliser ce projet, mais si tu mets de la passion, si tu mets de la détermination, tu vas réussir ce projet. Et même si personne ne t'encourage, mais toi, tu dois continuer d'y croire. C'est très, très important de le faire. Donc, je vais te laisser écouter une petite chanson et Petit escargot pour les enfants. Je sais qu'ils adorent cette chanson-là. Pas toute la chanson, mais on va juste écouter rapidement. On y va. Sa maisonnette. Il sort sa tête.
sort sa tête. Est-ce que tu as entendu les paroles de la chanson? Quelles sont les paroles? Est-ce que tu as entendu quelque chose que tu as déjà appris? Excusez-moi, la chanson, je voulais encore te la faire écouter une deuxième fois, juste pour voir si tu as entendu des paroles. Sa maisonnette. Et voilà. Donc on va continuer. Bonsoir à tous les amis qui sont là. J'espère que je vais saluer mon ami Darley. Ce sont des amis, des petits que je chéris beaucoup. Je salue aussi Carl. Je salue tous les amis Stevens qui sont là avec nous. Et les amis, on va commencer avec la lecture pour ce soir. Et à 1, à 2 et à 3, c'est parti. Ah, oh, c'est... ça monte encore là. Excusez-moi. Donc, je vous montrais tout à l'heure le titre du livre. C'est quoi le titre de ce livre? Mais c'est Batman. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui aiment regarder les vidéos de Batman. Il y en a aussi qui jouent aux jeux vidéo de Batman. Donc, j'ai bien choisi cette vidéo pour tous ces amis-là. Et on commence. Batman, Félonie, Féline. C'est un texte qui est écrit, comme j'aime rappeler aussi, avant de vous dire le nom de l'auteur. Ça, c'est la page de couverture. Regardez. Et on a la quatrième de couverture ici. À la quatrième de couverture, on trouve le résumé du livre. Et on continue de découvrir ce qu'il y a dans cette lecture. Le titre de ce livre, c'est Batman. Et le nom de l'auteur, c'est John Zaklis, qui a écrit l'histoire. Et le texte où les images sont illustrées par Steven Gordon. Ce sont tous les personnages qui ont travaillé pour nous aider à trouver ce livre. Et on commence, les amis. Dans la nuit profonde, deux ombres noires se déplacent sur les toits de Gotham City. L'une d'elles est Batman. Il suit la trace d'une furtive voleuse chat qui se dirige vers les Wayne Towers. Batman atterrit sur le balcon du Pantouze. À l'intérieur se trouve le Golden Cat, une statuette tellement exceptionnelle et précieuse que peu de gens ont eu l'occasion de la contempler. Il n'existe qu'une seule cambrioleuse à Gotham qui oserait commettre un tel larcin. Repose ça tout de suite, Catwoman, gronde le chevalier noir. Catwoman, c'est quoi les amis? J'espère qu'il y a des amis qui savent. Oh oui, je crois que oui. Un rayon de lune éclaire la voleuse. Ce n'est pas Catwoman, c'est Cheetah. Batman est stupéfait. Oh. On dit que tu es le plus grand détective du monde, mais je ne suis pas très impressionné. Crache la criminelle féline. Ôte-toi de mon chemin. J'ai une cité à cambrioler. Oh, elle est tellement... Quoi? Elle est fière de ce qu'elle fait. Cheetah essaie de donner à Batman un coup de ses griffes acérées, mais il utilise sa cape pour se protéger, Batman. Avec la vitesse d'un guépard, le guépard, les amis, c'est quoi?
Oh oui, c'est un animal. Cheetah bondit du balcon et se fond dans la nuit. Regardez. Il y a beaucoup d'activités ici. Oh. Batman lance aussitôt un batraqueur sur la fuyarde. Regardez. C'est Catwoman. Le chevalier noir contacte Wonder Woman depuis sa Batmobile. Ton ennemi juré a voulu faire de moi son nouveau griffoir, dit Batman. Cheetah est à Gotham, s'exclame Wonder Woman. J'arrive! Quelques minutes plus tard, Wonder Woman pose son jet invisible sur le toit du musée de Gotham City. Oh, Batman l'attend. Mon batraqueur m'a guidé jusqu'ici. Explique Batman. L'opale œil de chat est exposée et elle vaut des millions de dollars. Allons-y, répond Wonder Woman. Regardez, Wonder Woman. Je me souviens, il y a des amis qui ont porté ces vêtements la fois dernière. On avait une journée de super-héros. Il y avait des super-héros dans la classe. Il y avait des Batman, des Catwoman. Et Cheetah s'introduit dans le musée plongé dans l'ombre pour découvrir que la première cambrioleuse chat de Gotham City, Catwoman, est également sur place et qu'elle a déjà mis la patte sur la fameuse pierre précieuse. Regardez. Ils sont tellement malins. Mais qui es-tu donc? Demande Catwoman. Je suis Cheetah. Répond la super vilaine. Et tu es en train de voler mon œil de chat. Oh! Catwoman sort ses griffes et crache. Qu'est-ce qui arrive quand Catwoman sort ses griffes, les amis, et crache? Qu'est-ce qui se passe? Viens plus près et ce ne sera pas le seul œil de chat que tu perdras. Oh, elle n'est pas gentille, cette Catwoman. Oh! Miouche, rétorque Cheetah. Les gardiens de nuit entendent la bagarre de chat et sonnent l'alarme. Il est temps de nous joindre à la fête, dit Batman. Regardez Batman, les amis. Regardez-moi ce que Cheetah a traîné ici, grogne Catwoman. Le chevalier noir et la princesse Amazon font face à leurs ennemis félines. Les cambrioleuses doivent unir leurs forces si elles veulent se tirer de cette situation délicate. Qui parle, les amis? Est-ce que c'est Batman? Est-ce que c'est Cheetah? Qui parle? Cheetah et Catwoman agrippent les gardiens et les prennent en otage. Oh! Regardez! C'est un piège, les amis. Oh! C'est pas trop bien ça pour les gardiens. Restez où vous êtes, rugit Cheetah. Ou sinon, complète Catwoman. Les super-héros n'ont pas le choix. Ils laissent partir les criminels afin de sauver les otages. Est-ce que tu es toi aussi un super-héros? Quel est ton personnage préféré? On va voir. Est-ce que Batman va venir au secours? De retour sur le toit, Batman est furieux de la tournure des événements. Ça veut dire quoi, les amis, de la tournure des événements? Ah oh, oui. La tournure des événements, ça veut dire ce que c'est, comment les événements se sont transformés. La situation est devenue un petit peu compliquée là. Il faut que Batman intervienne. C'est vrai, dit Batman. J'ai un plan. Nous pouvons encore les retrouver grâce à ton batraqueur. Il regarde le tiet invisible et sourit. Elles vont avoir toute une surprise. À l'autre bout de la ville, Catwoman et Cheetah font maintenant équipe pour voler la tigresse blanche du zoo de Gotham City. On ne met pas en cage une créature aussi magnifique. Regardez les amis, la tigresse est puissante, jure Catwoman. Entraînons-la à nous obéir, s'exclame Cheetah. Regardez comment ça se passe. Les événements
se complique. La bagarre est féroce, mais Catwoman n'est pas de taille à se mesurer à la princesse Amazon. Wonder Woman utilise son lasso incassable pour ligoter la cambrioleuse. Regardez. Oh, cette Wonder Woman. Oh là là. Entre-temps, Chitakun se réfugie dans le repaire des lions. Le chevalier noir émerge de la pénombre, suspendu à une corde. Il ne laissera pas cette crapule s'en tirer à nouveau. Oh non, il n'y a pas question. C'est ce qu'a dit Catwoman. On va voir comment ils vont terminer ce combat. Lorsque le nuage se dissipe, tous les félins font la sieste. Regardez, ça veut dire quoi les amis font la sieste? Tous les félins, ici, ici. Oh, excusez-moi. Les félins sont ici, regardez, ici. Ils font la sieste, c'est-à-dire ils se reposent. Très bien. Wonder Woman attache les deux criminels pendant que Batman appelle la police. Oh, on appelle la police. Donc, il y a vraiment urgence. Il est temps de mettre ces minettes en cage, dit Wonder Woman. J'en connais une grande, tout près d'ici. On l'appelle la prison d'État de Gotham, répond Batman. Oh, ils sont très très sérieux. Ils ne jouent pas. Un chat n'en sortirait pas. Eh oui, quand il dit un chat n'en sortirait pas, les amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont être sûrs, ils vont s'assurer que ces personnes-là qui dérangent, ils vont rester bien, bien, bien au chaud, en prison. Et voilà, oui, mon histoire est terminée. Donc les amis, c'était une histoire ce soir sur Batman. J'ai choisi cette histoire pour les amis que je sais qui apprécient beaucoup le personnage Batman et aussi Catwoman. Il y a des amis qui apprécient Catwoman. Catwoman, c'est un personnage, c'est un super-héros et aussi Batman. Combien d'amis qui nous écoutent, qui aime jouer avec des jeux Batman. Est-ce que tu connais? Moi, je suis pas très très bonne à ça. Mais je crois que la plupart des amis de Maman Lee, ils connaissent Batman. Ben, si tu as aimé l'histoire, je te remercie. Sinon, ce que tu vas faire, tu vas essayer de repérer des mots que tu as entendus, des mots que tu connais déjà. Et tu vas essayer d'écrire ça dans ton petit cahier, le petit cahier de Maman Lee. J'espère que les amis ont des cahiers aussi, des feuilles. Si vous n'avez pas un cahier, tu peux utiliser du papier blanc. Ouais, des choses comme ça ou des papiers blancs pour écrire les mots que tu connais, des mots de vocabulaire. Sinon, c'est ça, chers parents. Il est déjà 20h49. Ça va être bientôt l'heure d'aller au lit pour certains. Si vous êtes encore debout. Et on se donne rendez-vous, les amis, demain soir. N'oublie pas, tu dois continuer de travailler sur tes projets, continuer d'être gentil à l'école. Merci à Wilzou Trésil qui est avec nous. Comment vas-tu? J'espère que les amis sont là et qu'ils ont apprécié l'histoire de Batman ce soir. Et demain, n'oublie pas d'être gentil à l'école, tu écoutes les consignes de ton enseignante ou de ton enseignant. Et aussi, tu travailles bien, tu réponds aux questions, tu participes en classe et tu vas être vraiment le meilleur ami de Maman Lee. Donc, c'est tout pour ce soir, les amis. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, chers parents. Prenez soin aussi de vos enfants. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Et rendez-vous à demain. Bonne nuit. Bon dodo à vous. Gros bisous.